Et en avant pour le repère secret, Devlin, allons-en nous téléporter au sanctuaire, donc la plage reculée. Voilà. Puis on s'en profiter pour faire un petit tour quand même dans ce secteur. Alors, pour rappel, si vous tombez sur cette vidéo avant d'avoir vu les autres, pour accéder ici, il faut donc entrer dans cette caverne-là, combattre le robot Daru et ensuite sortir de l'autre côté pour pouvoir atteindre cette destination. Ouais, donc là on revient au début. On va se débarrasser des malfrats. Avance un peu. Ouais, on va utiliser ça. Et lui, on va essayer de l'avancer un peu. On se met en furtif. On va essayer de contourner. Alors, si je fais ça, je me crame moi aussi, non? Oh non, pas du tout. Ah si. Si, je me suis cramé, bon, c'est pas grave. Ah, c'était un peu foireux ça comme truc, par contre. C'est fini. On va récupérer ce qu'on peut. Ça m'a l'air bien. Ça aussi. Ça, non. La flèche d'argent, oui. Ça, oui. Très bien. Alors, si on continue par là, on va aller récupérer quand même le trésor. C'est vers les statues là, il me semble. Ah, c'est vers les statues, non? Eh oui, statues parlantes. C'est les statues parlantes. Non, on va pas faire ça tout de suite. Ça m'a l'air bien ça, la robe. Ah, on va pas aller plus loin pour le moment. On va activer quand même le téléporteur.
Ça sera fait. Et nous allons poursuivre la descente. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte le crabe? Ok. Can you imagine risking life and limb for mere riches? What a fool. True enough. Ok, donc bon, du coup le crabe va nous raconter l'histoire de ce cadavre et nous a un petit peu parlé donc des statues en hauteur que nous ferons dans la prochaine vidéo. Ah, pour le moment, nous allons nous occuper de Devlin. Normalement ils voient rien, donc ils vont être obligés de bouger. Oula. D'accord, il y en a plein d'autres qui sont apparus. J'avais pas prévu ça par contre. Ok, j'ai pas prévu ça, mais c'est pas grave. Trop loin. Ok, il faut qu'on se débarrasse de lui aussi. Ah, et de son pote aussi derrière.
Oui, court comme ça, lui. Un petit soin. Bon, j'ai pas encore pris le soin. Bon, ok, c'est pas grave. On prend une potion. Récupérer un bâton qui a l'air pas mal. On va regarder tout de suite pour le bâton. C'est quoi? C'est celui-là. On envoie Selena. Voyons. Non, il est pas si bien que ça au niveau des dégâts. Mais. Plus intéressant au niveau des statistiques. Allez, on va le prendre. Ok. Et nous dirigeons vers l'entrée du repère. Oula. C'est qui celui-là? Radagot, je connais pas lui. Bon, allez, on va lui parler. Excuse me, you're standing. Just exactly in my sun. Me? Oh, I'm long retired now. Enjoying the sunshine is far preferable to gutting. They say a sorcerer's work is never done, but I seem to have finished mine quite in time to enjoy my golden years. D'accord, on va lui poser question sur le meurtre là. Source murder. Cécile. Oh, I don't concern myself with such matters anymore. Channeling sources. More hassle than it's worth, and Cécile's a fish though I haven't practiced in quite a few years. All the ferocity and fire of it just can't hold my interest. You're giving me a strange sort of look. Devrions nous faire un devoir. Vous paraissez tellement inoffensif, on va dire ça. Et plus de problèmes avec vous, semble. Oh, source hunter, are you? Aren't source hunters supposed to be a bit, well, fierce and awe-inspiring? You look more like you'd like to settle down for a bit of sunbathing with yours true. Go on, then. Ok. Et du coup, si on essaye de faire bronzette, qu'est-ce qui se passe? Non, rien du tout. Mais bon, moi ça tombe bien. Faut que je regagne de la vie. Donc c'est parfait qu'il y ait ça ici. Et d'ailleurs c'est peut-être fait exprès en fait. Je pense. Alors. Maintenant nous devons rentrer dans le repère d'Evelyn. Alors pour cela. On a besoin du sort de révélation. Voilà. On lui posait des questions sur Evelyn. Oh, brown hair, nasty temper, big staff, huh? I suppose she's the one who tasked me with this little post, friend of yours. Qu'est-ce qu'il y a dans la grotte? Do you really need me to get into the tiresome details? There are some. I was given a bit of gold to keep people, as you, out. So that's what I do. We needn't make this any more complicated than it has to be. Don't let's worry about that.
On va dire j'aimerais entrer. I'd like to go back to enjoying the sun, and I'm sure, trust me, there's nothing in that cave worth dying over. And frankly, I'd quite prefer not to. But Morse, you aren't planning on going where you ought not to go, are you? Bon, on va essayer de le convaincre. Oh là là. Bon, j'ai plus droit à l'erreur là. Ok. Bon, bah, tant pis, hein. Well, for a man of my age, it's quite a pleasure being dragged. Ça va finir dans le sang, c'est pas grave. Ah non, ça c'est totalement nouveau, hein. C'est, ça fait partie de cette version, c'est sûr. Ah, il a bougé vers là, je crois. Hein. Bon, on va se débarrasser de lui et de lui. Non, bon, j'espérais que j'aurais pu passer vers le magicien. Je pense qu'il est vers là. Ah, oh, je me suis envoyé hémorragie sur moi. Oh là là, quel abruti. Oh là là. D'accord. C'était tout bidon. Puis on a pour combien de temps pour un tour encore? Bon, on va attendre. Non. My friend, we have done it. The secret lair of Evelyn is before. Nous allons nous reposer encore. Ah, pourquoi il y a... Le fait qu'il bouge automatiquement quand on en déplace un. On ne peut pas faire les deux actions en même temps s'ils sont dans la même équipe, c'est un peu chiant. Si, enfin, s'ils sont attachés. Et puis de vêtements, on s'en fout. Allez, c'est bon, on peut rentrer.
Ah, je pensais qu'il était en sale état, lui. Bah oui, en sale état. Ah oui, comment tu peux rater ça? Récupérer une clé. Là, il n'y a rien. Voilà, là, il y a des méchants par contre. Essayer de les convaincre aussi. Je sens que ça va être compliqué. Non. Apparemment, on va pouvoir éviter le bain de sang. Ok. Oui, donc c'est ça en fait, la crique noire. J'aurais pas dû y aller aussitôt dans le jeu. Puisque, visiblement, ils nous en parlent maintenant. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile. C'était un petit peu difficile. Ok, donc grâce à la clé, on peut entrer. Ils sont tous en mauvais état, les mecs, là. Je vais essayer de me placer là. D'avoir ces trois-là. Ah, d'accord, bon, c'est pas grave, c'est bien aussi. Quand le jeu se foire lui-même, ça me rassure un peu, quoi. Je me dis que bon, je suis pas si mauvais. Oui. Tu peux passer ton tour, s'il te plaît, si tu veux rien faire.
c'est bon, je peux choper les deux. Et là maintenant il est trop loin là. Bon. Je peux pas l'avoir de là. Je vais bouger un petit peu. Truc à prendre. Bouteille de potion, tout ça on s'en fout. Ça on va juste le lire. Le coffre. Ça c'est intéressant. L'or, toujours. Secret des parchemins, tiens, on va lire ça. Encore des flèches. Parchemin de résurrection. Ce bouquin. Ok. Ok, alors on sauvegarde et on continue par là pour affronter Evelyn, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. Alors, juste avant d'y aller, peut-être remettre ça. Si jamais, si j'ai un problème, que je puisse me soigner Et ça, est-ce que ça intéresserait pas Selena? Ah non. En même temps, ça c'est une robe. Augmente la résistance, plus de PV. Si, c'est mieux. Parce que j'avais équipé avec une espèce de truc en maille, je crois. Parce que j'avais trouvé que ça, à ce moment-là. C'est une ensorceleuse. Voilà, là on peut en parler de Bracus Rex. Voilà, elle va voilà, ressusciter Jake. Et voilà, invoquer un paquet de monstruosité. Et elle fait mal, hein. Elle fait un peu mal. Alors c'est quoi? C'est des créatures de feu, tout ça, là. On va se concentrer sur Evelyn. Ah merde. On va partir là-bas. Se camoufler. Et attendre. Ah.
Ouais, elle se soigne bien en plus, hein. Bon, bah du coup, s'en occuper rapidement. Dégâts de feu, ouais, donc c'est pas bon. Sauf contre Eblina. Il s'est fait... Oui, il a dû se faire toucher lui, c'est pour ça qu'il perd, hein... qu'il perd son invisibilité. Alors, si je me mets là... Cible invisible... Oh! Bon, bah tant pis. On va attaquer comme ça. Je pense qu'on peut l'achever là. Donc il restera plus que lui à éliminer. Mais... Attends, et ça frappe dans quoi là? Y a rien. D'accord, y a rien là. Tape dans le truc, c'est tout bizarre ça. Voilà. Ce qu'on sait, Jake. Que le feu s'arrête. Ou est-ce qu'entre temps je peux quand même bouger sans que tout le monde se fasse cramer? Ouais, non, c'est bon. Écharpe malodorante, c'est que ça. Oh, ok, et là maintenant, eh bien, on a tout le loisir de pouvoir piller cette zone. Il devrait y avoir quelques petites choses intéressantes, je pense. La boîte. Ouais, parfait. De l'or. Parchemin. Un coffre. Puis je pense que c'est tout, hein. Je pense que c'est tout. Alors voyons un peu où on en est. Je sais pas qui serait, que ça serait combattant de C6, statue parlante, ok. Et on a terminé un meurtre mystérieux. Donc ouais, pour le moment, retour en ville. En attendant la suite. Source Hunter, you have done it, haven't you? You've discovered the fate of Counselor Jake. By the gods, for
forgive me, this news just so very upsetting. I do. The possibility of his return is... There have long been rumors that Brachus's corpse was interred in the vaults beneath the... That place is called... Come to think of it. Did anyone in Evelyn's... It's nothing, Hunter. Nothing. She is a... I can only surmise that she is on to... Leandra. She's as smart... Now, you said she... There's a village... This village is called Silverglen. And if my... Alas, the Legion didn't find... And I will... Et on poursuit l'enquête. Ok. Le mystère est résolu. Counselor Jake a été murdered. L'inspecteur spooks him so. Ahu doesn't strike me as the type to scare very easily. On connaît notre prochain objectif. Cusrex. Voilà.